Ça se peut que vous regardiez ce live-là plus tard, mais il faut le regarder au moins avant minuit moins une. Parce que comme je vous ai partagé sur ma page, mon story, de source sûre, une personne très très proche de moi qui travaille pour une entreprise quelconque, mais qui aujourd'hui était à Boscoville, et ça fait quand même quelques semaines qu'elle est à Boscoville, cette personne-là. L'entreprise a loué une section de la bâtisse. Parce que Boscoville, pour ceux qui connaissent ça à Montréal, c'est comme une prison pour adolescents, pour jeunes contrevenants. Mais il y a des locaux qui sont libres, et cette entreprise-là a loué un grand local pour ces gens-là. Et juste à côté, ça fait plus de 2 semaines qu'il y a plusieurs policiers qui se pratiquent à l'extérieur avec des chiens policiers, avec des mises en scène de gens qui refusent de se faire arrêter, qui refusent, bon, pour toutes sortes de raisons. Le policier lâche le chien, puis le chien, ben, attaque l'autre personne qui refuse de se faire arrêter. Des mises en situation comme ça. Mais ce qu'elle me, la personne me faisait remarquer, c'est que le chien, lui, il ne sait pas si la personne est en détresse ou si la personne ne veut vraiment pas collaborer. Et on sait fort bien qu'avec toutes les mesures ostentatoires, liberticides, les fermetures, les faillites, les envies de suicide et compagnie, là, on sait très bien qu'il y a beaucoup de gens qui vivent de très, très grandes anxiétés, des peurs, des paniques, des crises de panique. Il y en a qui ont tout simplement peur des chiens, qui ont tout simplement peur des policiers, peur que ça aille plus loin. C'est sûr qu'ils voudront pas collaborer ou voudront pas se faire vacciner ou voudront pas se faire tester, mais ces chiens-là, ils vont être lâchés lousse sur eux autres parce que c'est ce qu'ils sont apprêts à se pratiquer depuis plus de 2 semaines. Puis aujourd'hui, la personne me disait, aujourd'hui, c'était capoté. Elle dit, j'ai pas été capable de prendre des photos. Elle dit, soit dit en passant, tous les policiers au complet étaient sans masque à l'extérieur. Carrément sans masque à l'extérieur. Et aujourd'hui, il y avait des boucliers avec des bâtons, puis ça cognait pareil comme dans les films, là, tu sais, là, les films là, de Glorieux, là, avec des cris, là, des gros cris, là. Elle dit, Pascal, c'était effrayant, effrayant. Fait que, elle dit, je ne sais pas ce qui manigance, mais c'est pas quelque chose de beau. Elle dit, j'ose croire que ces policiers-là, ils ont un cœur, puis qu'ils se rendront pas là. J'ose croire qu'ils vont comprendre que les gens qui sont à bout, parce qu'ils veulent avoir la révolution, là, les gens sont écœurés. Ma source sûre, elle m'a écrit ça, le texto. Là, j'étais là, voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Je viens de raccrocher avec cette personne-là. Puis, elle m'a dit aussi que quand elle a passé devant l'école secondaire, Jean Groux, si je regarde en bas, parce que j'ai pris comme des petites notes, là, l'école secondaire Jean Groux, qui se trouve sur Rodolphe Forget, entre les rues Peyrat et Gouin, ils ont eu la visite de la police montée. Oui, vous avez bien entendu. Ils ont eu la visite de la police montée et c'est certainement pas pour leur faire de beaux sourires. Certainement pas. Ils les attendaient à la fin des classes entre 3h15 et 3h30 l'après-midi pour vérifier si les jeunes portaient les masques. Devinez qu'est-ce qui se passait s'ils ne portaient pas les masques. Ils se faisaient intimider. Ben oui, on est rendu là. Hein? C'est ça qu'on veut comme société? Sérieux, c'est juste un masque. Mets-les ton calice de masque. Ferme ta gueule. Mets-les ton masque. Voyons, qu'est-ce que ça peut bien faire? Qu'est-ce que ça peut bien faire? Tu sais, au début, là, au mois de mai, là, quand je disais tout que ça ressemblerait à dans le temps des nazis, puis que je me suis fait traiter de crise de folle, de toutes sortes de noms, ben oui. Là, ils commencent à parler que on va se faire pucer. Hein? Ça aussi, j'en avais parlé au mois de mai. Ben non, j'étais folle un peu, j'exagérais. Saviez-vous aussi que ça a l'air d'une autre source que l'armée est arrivée en ville? Hein? Ils n'en parlent pas dans les journaux de ça. Ben non, ils n'en parlent pas. Fait que c'est ça que je voulais vous dire.
les policiers sur plusieurs grands terrains comme ça, puis tu sais, c'est quand même caché, Bosco, hein? Boscoville, là, c'est retiré dans le fond. C'est une bâtisse que faut que tu rentres un long corridor d'arbres. Je le sais parce que moi aussi, j'ai travaillé dans ce coin-là. Donc, c'est retiré de la vue de tous. Fait qu'imaginez le nombre d'endroits où ce que c'est retiré de la vue des gens, où est-ce qu'il doit y avoir des gars de l'armée, des policiers, agents de sécurité, des gens engagés par ces malades mentales-là qui veulent nous mettre en prison dans nos maisons, là. On ne mâchera pas les mots. Puis j'ai le droit de le dire jusqu'à minuit moins une avant d'être censuré. Fait que essayez de le partager au plus sacrant parce que je pense que ça sera pas beau tout à l'heure. Bref, dans l'émission d'Isabelle Maréchal, les gens ont dit, si les gens ont plus le droit de manifester sans masque, ils peuvent manifester avec leur véhicule. Je dis ça de même, là. Chaque personne dans un véhicule fait beaucoup de véhicules. Ça bloque des routes. Ça bloque des ponts. Ça bloque la circulation. Ça bloque des quartiers. Ça bloque des endroits importants? Eureka, peut-être? Je dis ça comme ça? Comme ça, avec monsieur les boucliers, ben, on est dans nos véhicules. On a le droit de manifester sans masque, on est dans nos véhicules. Tout seul, de surcroît. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de véhicules, hein? Pensez-y. Fait que c'est ça que j'avais à dire. Là-dessus, comme dirait mon père, le meilleur reste à venir.